Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour recevoir un message pour vous les amis. Alors faites preuve de discernement, gardez votre bon sens, puisqu'ici on reçoit un message pour vous les Béliers. Bien évidemment que ça ne parlera pas à tous les Béliers de cette planète Terre, les amis. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de bon sens. Prenez si ça vous parle. Laissez le reste aux autres. Voilà, tout simplement. Moi, vous savez que je ne me ferme pas au mois de mai. Ce sont des énergies. Ça a pu déjà débuter, dans votre vie, les mois qui précèdent. Ou alors, tout simplement, ça va se poursuivre dans les mois qui suivent le mois de mai. Le plus important, c'est que le message résonne avec une situation de votre vie, avec quelque chose. Bref, il faut que ça vous parle, les amis. Allez. C'est parti les Béliers, on y va pour recevoir ce message. Ok, quel est le message pour les Béliers s'il vous plaît? Quel message souhaite passer? Quel message souhaite passer pour les Béliers? 4 de deniers. 4 d'épée. Tempérance. Ok. Ami Bélier. Ok, je vais en sortir une autre juste pour comprendre. Oula, oula, là, 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 pas autant. Prendre juste quelque chose. Valet de coupe. Ok, ok, ok. Je pense qu'on est plus dans le relationnel ici. Avec les coupes. Ouais, et on a une figure ici. Bon. Ok les amis. Alors, moi j'ai l'impression que le message concerne, avec ce 4 d'épée, ce 4 de denier, un temps de pause, un arrêt, une prise de distance, un éloignement. Concernant une relation, concernant une personne, concernant un lien. Voilà. Moi, je le ressens vraiment. En fait, il y a une petite hésitation entre. C'est pour ça qu'on va quand même creuser. Entre est-ce que c'est une personne? Ce qui me ferait dire avec le valet de coupe, mais en même temps, ça peut être en lien avec une passion, ou en tout cas quelque chose, un désir du cœur. Bon, les amis, vous allez prendre comme ça vous parle. Ok, ici ça peut parler d'une passion, peut-être pour certains, mais on va voir au fil du temps si ça se précise. Pour d'autres, je serai plus sur un lien, sur une relation, sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un arrêt, voilà, un arrêt parce que j'ai un 4 d'épée ici, donc j'ai une notion de pause, j'ai une notion en tout cas de ralenti, quelque chose qui tout simplement, il y a une prise de distance, il y a un éloignement, une prise de distance et avec un 4 de denier, pardon, j'ai l'impression que chacun est peut-être sur ses positions, garde sa position, le 4 de denier c'est souvent celui... il est là, il bougera pas, il a une tendance comme ça un petit peu à garder les choses, à rester sur ses positions. Il y a très peu d'ouverture, tu vois, on voit qu'il est plutôt fermé, plutôt centré.
Et il y a une forme de détermination comme ça. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous fait face, qui est vraiment campée sur ses positions? Et puis bah voilà, bref, du coup ça a créé un petit peu un lien qui s'est détérioré avec le temps parce que y a eu une incompréhension, il y a eu un malaise, il y a eu un quiproquo, il y a eu quelque chose qui a fait que, et puis cette personne a peut-être un fort caractère, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions. Alors peut-être que les deux restent campés sur leurs positions. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on est vraiment ferme, qu'on ne veut pas revenir sur la chose, qu'on voilà, on est un peu déterminé dans, j'allais dire une... Non, je ne vais pas dire ça, les amis. Mais on est un peu déterminé dans... Non, parce que si je dis ça, il y en a encore qui vont être offusqués. Je vais quand même le dire, c'est un peu être déterminé dans sa connerie quelque part. C'est-à-dire que je ne sais pas qui, là, est un peu campé sur ses positions et... voilà, ne veut pas par fierté, par ego, tu vois, toutes ces choses très humaines finalement, qu'on a tous les amis. Mais oui, ça nous est tous arrivé des fois d'être campé sur sa position, alors que en plus, franchement, c'était pas positif forcément pour nous, mais bon, voilà, avec l'ego, si, ça, on ne veut pas admettre. Donc on reste campé sur ses conneries quelque part, sur sa connerie, et puis voilà, on veut pas y bouger, quoi. Donc il y a un peu cette notion-là. Est-ce que cette personne-là, c'est la personne qui vous fait face? Est-ce que c'est des deux côtés un peu pareil? Est-ce que quelque part, c'est vous qui vous retrouvez dans cette position-là? Je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt que c'est celui qui vous fait face. Alors, celui ou celle, hein, moi, je ne sais pas. On est quand même... Ah, les amis, je pense vraiment qu'on est quand même sur du relationnel. Je vous parlais d'une passion tout à l'heure. Bon... Prenez, je sais pas, à vous de voir, prenez si vraiment la passion vous parle ou un truc vraiment pour lequel vous avez fermé la porte et puis vous restez campé sur vos positions. J'ai l'impression qu'on te dit mais c'est une bêtise, c'est une bêtise, réouvre la porte. Donc prenez les béliers comme ça vous parle, soit c'est une passion, un désir du cœur, vous avez fait une croix dessus, soit c'est une relation où il y a une prise de distance. Est-ce qu'il y a vraiment un silence radio? Pour certains, oui, pour d'autres, peut-être pas, mais en tout cas, la relation n'est plus du tout comme elle était, hein. Comme elle était ou comme elle devrait être. Il y a un peu une notion, quelque part, que les échanges sont de plus en plus rares, que les échanges sont assez banals, il y a une perte de confiance dans le lien, quoi, dans le lien, voilà. Il y a quelque chose qui s'est cassé un petit peu, il y a quelque chose qui s'est brisé, et c'est un peu l'idée, je reste campé sur mes positions, puis j'ai limite un peu fait une croix sur cette relation, tant pis, elle restera comme elle est, la relation, voilà, je n'ai pas envie de faire d'efforts, mais ça, encore une fois, je ne sais pas si c'est, pardon, si c'est vous qui êtes dans cette position-là, j'ai plutôt l'impression que c'est celui qui vous fait face, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu les deux, donc c'est pas si simple que ça, cette histoire. Prenez-vous comme vous comprenez la situation. Donc là, il faut que ça vous parle, les amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les béliers, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Vous pouvez encore rester pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui évolue et qui vous, effectivement, vous fait penser à quelque chose. Ou... Bref, mais pour moi, on est vraiment sur une fermeture par rapport à un truc. Moi, je serais quand même sur un lien, peut-être une passion. On reste campé sur cette position-là. Et j'ai l'impression qu'on te dit, écoute, c'est une bêtise, c'est une bêtise. Ah, une bêtise, c'est quand même plus joli qu'une connerie, hein, on va pas se le cacher quand même. C'est une bêtise, c'est une bêtise. Ici, avec la tempérance, on a l'idée du compromis. On a vraiment cette notion, voilà, de compromis, de douceur. Faut remettre de la douceur un petit peu, hein, j'ai l'impression, hein, dans cette histoire-là. Il faut remettre de la douceur. Alors... On peut quand même vraiment voir l'autre à un moment donné comme une personne néfaste, négative, quelqu'un de pas gentil, quelqu'un qui fait pas les efforts, quelqu'un qui a fait du mal aussi peut-être, quelqu'un qui peut-être
avait une tendance à, je sais pas, un côté autoritaire, dominer l'autre. Oui, il y a pu y avoir à un moment donné cette sensation par rapport à cette personne. Alors, pour certains, ça peut quand même nous parler du masculin. Voilà, du masculin ou en tout cas d'une personne qui représente une énergie yang. Alors, c'est peut-être une femme, mais qui avait vraiment une énergie yang. Donc, vraiment un caractère fort, affirmé, un côté qui peut être autoritaire ou qui représente l'autorité. Donc, on peut avoir la figure paternelle ici pour certains. Voilà, pour certains béliers, on peut avoir la figure paternelle. J'ai l'impression que c'est un schéma. Tu sais, je vais te donner un truc qui me vient, c'est-à-dire que tu peux avoir, étant enfant, alors, après c'est à toi de voir, mère ou père, je ne sais pas, avoir eu, étant enfant, un parent qui a représenté l'autorité, qui a peut-être eu des comportements pas appropriés, voilà, qui n'étaient pas appropriés, des comportements vraiment... voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, pas approprié à son rôle de parent. Il y a peut-être eu de l'abus, oui, de l'abus de pouvoir dans ce rôle de parent, quelque part. On laisse peu de place à l'enfant, ou alors on étouffe l'enfant, je ne sais pas, ou on abuse de son pouvoir de parent sur l'enfant. Il y a pu y avoir ça, et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut déteindre sur tes relations. Oui, oui. Mais oui, mais oui, 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 parce qu'on se construit quand même hein, quand on est enfant. Quand on est enfant, on est vraiment des éponges, on absorbe, on absorbe, on absorbe tout. Et c'est là c'est là qu'on commence à se construire, qu'on se développe et qu'on peut avoir une image. Et les parents, c'est quand même très important. Alors après, c'est les parents, ça peut être les grands-parents des fois, hein, ceux vraiment qui représentent voilà, une figure... importante auxquelles on va se voilà se quelque part se oh comment dire on prend exemple finalement tu vois on prend exemple et puis on se construit à partir de ça. Est-ce que tu n'as pas eu une mauvaise image enfin en tout cas quelque chose de pas forcément très positif concernant un parent, concernant quelqu'un qui a fait preuve d'autorité sur toi à un moment donné? C'est pour ça que je pense à la relation parent-enfant, et c'est quelque chose qui a conditionné tes relations, tes liens que tu as pu développer avec d'autres personnes. Alors c'est un exemple, mais on peut quand même trouver l'origine dans l'enfance ici, hein, avec un parent, un grand-parent, en tout cas quelqu'un qui a fait figure d'autorité à un moment donné dans ta vie, et qui a pu vraiment créer chez toi une sorte de vérité, une sorte de croyance, une sorte de... je sais pas. Quelque chose qui a pour moi créé une faille. Et cette chose-là, cette fragilité, elle est toujours présente quelque part et elle impacte ta vie d'aujourd'hui. Donc, ok. Du coup, est-ce que ici on est sur un lien... au niveau du couple, est-ce que c'est un partenaire de vie? Est-ce que c'est ta relation aux hommes ou ta relation aux femmes, à toi de voir, qui ici est impactée? Est-ce que c'est un lien avec la famille, donc parents-enfants, peut-être frère, sœur, 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 frère, frère, enfin bon, un lien de famille? Est-ce que... quel est ce lien? Quel est ce lien en fait? Pose-toi la question, quel est ce lien ou quelle est cette... peut-être... chose, cette passion, ce talent auquel tu t'es peut-être fermé. Prends comme tu le ressens. Mais en tout cas, il y a eu une fermeture pour moi. On s'est quand même fermé, on s'est quand même protégé par rapport à cette chose-là. Donc, quel est ce lien? Quelle est la nature de ce lien? Ça peut être aussi amical, hein, oui, oui, oui. Hein. Mais ça représente l'autorité, hein, comme si c'était quelqu'un qui était au-dessus de vous, en tout cas à un moment donné dans votre vie, qui a pris le pouvoir sur vous à un moment donné dans votre vie. Et du coup, c'est quelque chose, vous, d'extrêmement difficile. Soit parce que vous avez eu tendance à vous enfermer dans des relations où vous recherchiez ce père, cette mère, cette figure d'autorité, et vous vous êtes enfermé dans des relations
toxique, dans des relations toxiques, parce que vous étiez toujours à la recherche de cette figure d'autorité, parce que pour vous c'était la normalité quelque part, et que quand vous n'aviez plus cette figure d'autorité, bah, vous vous sentiez peut-être perdu parce que vous avez grandi comme ça quelque part. Donc peut-être que vous êtes enfermé dans une relation un peu quand même toxique dans le lien. C'est-à-dire, je ne te dis pas forcément que la personne était extrêmement toxique, mais le lien que vous avez mis en place était toxique, néfaste, pas bon. Voilà, vraiment pas bon. Peut-être aussi que c'est... tu sais, t'as peut-être toujours été à la recherche d'une figure qui pouvait représenter le protecteur, parce que peut-être tu en as t'as manqué de ça. T'as manqué parce que peut-être que tu n'as pas... il a manqué l'un de tes parents, ou tes parents se sont montrés absents, ou tes parents... J'en sais rien. Et du coup, tu as toujours été à la recherche de cette figure de protection, figure paternelle ou maternelle. Bon, là, on est quand même sur du paternel, mais c'est en général. Donc, les amis, il faut quand même se remettre par rapport à vous. C'est peut-être aussi une figure maternelle. Et peut-être que tu as pris l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs à représenter cette figure paternelle, maternelle quelque part, cette autorité. Peut-être qu'il y a un lien toxique qui s'est développé entre vous, ou... Voilà, l'une des sœurs ou des frères, ou alors à moins que c'est toi, ou l'un des frères, à moins que c'est toi, bah finalement a pris un rôle qui n'était pas le sien, et petit à petit, peut-être que la relation s'est étiolée, qu'il y a eu des désaccords quand toi ou l'autre a voulu commencer à dire « Attends, on est quand même à pied d'égalité, là je commence à me sentir étouffée dans ce lien, j'étouffe. » Parce que peut-être qu'il y a eu un problème de surprotection, voilà. Peut-être que toi tu as tellement manqué de protection dans l'enfance, tu peux avoir un côté surprotecteur avec les gens que tu aimes. Et quand on est dans l'excès des choses, c'est pour ça qu'on a la tempérance, hein, qui nous parle d'équilibre, de retrouver un juste milieu. Quand on est dans l'exagération des choses, c'est jamais bon, c'est jamais bon. Trop gentil, trop si, trop dans la protection, trop dans... Voilà, quand on est dans le trop de, c'est jamais bon. Hein, que ce soit du côté positif ou négatif, ça n'amène jamais rien de bon. Donc il y a vraiment un retour ici à l'équilibre qui est hyper important. Trouver aussi sa place, j'ai l'impression, au sein des relations, de la relation que vous avez, au sein de ce lien, quelque part, l'importance de retrouver sa place. Ok. Bon. Donc là, les amis, pour l'instant, on nous parle effectivement d'une pause dans le lien. En tout cas, il y a une prise de distance. À quel niveau, ça, c'est vous qui le savez. Soit il y a vraiment cassure, soit... Il y a toujours le lien, mais très clairement, c'est plus la même chose quand même. Hein. Il y a un malaise, il y a un malaise en fait. Tu sais l'expression « un ange passe bah, ». J'ai un peu l'impression qu'on est là, quoi. À un moment donné, j'ai l'impression que voilà, un ange passe, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, on a un silence qui s'installe et qui a tendance à durer en fait. Il y a un malaise, il y a quelque chose là. Tu sais, tu le ressens en fait, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, bon... On est arrivé au terme de quelque chose, quelque part, tu vois. Il y a de l'incompréhension. Il y a de l'incompréhension. Bon, alors attends, on va aller voir un peu plus loin. Cette d'épée, ben ouais, donc cette d'épée, on nous parle quand même d'une sensation de privation, d'une sensation de vol, d'une sensation, on t'a pris quelque chose, on t'a privé de quelque chose. Ou alors c'est toi qui as eu peut-être t'as l'impression que tu te retrouves à reproduire ce que toi tu as vécu dans l'enfance. Il y a peut-être, tu sais, aussi une toxicité à ce niveau-là, c'est-à-dire que tes blessures d'enfance ou d'une ancienne relation ont tendance à venir saboter ton présent, tu vois, parce qu'il n'y a pas eu guérison sur ces relations-là, en tout cas il n'y a pas eu acceptation et
On n'a pas réussi à s'en libérer quelque part, tu vois. On n'a pas réussi à se libérer de ce lien qui peut-être a été toxique à un moment donné dans ta vie et qui impacte ta vie aujourd'hui, tu vois, que ce soit sentimental ou autre. En tout cas, je pense que vraiment, on t'a privé de... Enfin, privé. On t'a pris quelque chose dans l'enfant. Dans l'enfance, il s'est passé quelque chose. Hein. On serait sur un peu une idée comme ça. Hein. On a le 8 d'épée. Ouais. Le 8 d'épée, c'est vraiment la sensation de se sentir bloqué, d'être dans une impasse, avoir l'impression qu'on étouffe aussi quelque part. Tu vois, il y a une sensation là comme ça. On voit hein, cette femme qui vraiment n'en peut plus, quoi. Hein. Elle ne supporte plus cette situation et en même temps, elle se sent prisonnière, elle se sent bloquée. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas s'en aller parce que elle a un lien, c'est une mère. Elle ne peut pas abandonner son enfant malgré qu'elle soit au bout, tu vois. Donc, il y a peut-être effectivement une relation, un lien. Moi, je pense vraiment que c'est une histoire de lien ici, les amis. C'est pour ça que ça ne parlera pas à tous les béliers, hein. Mais en tout cas, il y a un lien ici. On s'est enfermé, emprisonné dans un lien. Mais moi, je te dirais plus que la personne est toxique. Moi, je dis que c'est le lien qui est devenu toxique. C'est la façon dont on a entretenu le lien, dont on a cultivé ce lien-là qui est toxique, plus que la personne en elle-même. Alors, attention! Attention, on est sur du général. Moi, je ne connais pas votre vie, les amis. Je ne suis pas en train de dire que l'autre n'est pas toxique ou ne l'a pas été. Il l'a peut-être été, mais après, il y a toujours cette notion qu'on a tous nos failles, nos blessures, nos fragilités qui, des fois, nous conduisent à agir d'une certaine façon qui n'est pas réellement notre intention véritable. Donc, voilà. J'ai pas... Tu vois, le diable, on l'a eu un peu plus loin. Je ne l'ai pas sorti directement là. Donc, est-ce que vraiment la personne était réellement toxique? Ou est-ce que c'est finalement l'environnement, ses propres failles, ses propres blessures qui ont rendu cette personne à avoir des comportements qui étaient toxiques? On est plutôt sur du comportement toxique plutôt qu'une réelle personne toxique. Je ne sais pas si vous me suivez, les amis. Mais à mon avis, il y a ça. À mon avis, il y a ça. Ce qui fait que, on va aller voir plus loin. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pardon qui est en réalité possible dans cette histoire. Encore une fois, on est sur du général. Certains béliers peut-être vivent réellement une relation toxique, une relation destructrice. Là, les amis, je ne suis pas réellement sur cette chose-là. Donc, c'est pour ça que quand même, il faut que ça vous parle. Pour moi, il y a un lien ici qui est quand même fort. Voilà, il y a un lien d'âme qui est fort et on n'est pas sur de la toxicité réel, même s'il y en a eu. D'accord. Bon. Le 8 de bâton. Ouh, ok. Les choses s'accélèrent là, hein, les amis. Hein. Ah, alors. J'ai l'impression que ça vous travaille, les béliers. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, est-ce que... là, vous avez cette personne qui est souvent présent voilà, dans votre esprit. Est-ce que vous pensez souvent à cette personne-là? J'ai l'impression que cette personne, qui peut être une personne du passé, donc après, ça peut être un parent, hein, mais comme on n'a plus trop eu de relations, je ne sais pas. Pour certains, j'ai l'impression que la coupure, elle est plus ou moins longue. Soit il y a eu vraie coupure, effectivement, ça peut faire quelques temps. Soit il n'y a pas eu vraie coupure, mais il n'y a jamais vraiment eu de lien très complice, très fusionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait possible, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, très, très présent en ce moment dans votre esprit. C'est-à-dire que vous pensez beaucoup à la personne. Tu vois, il y a une idée comme ça, quoi. Et je me demande si certains n'ont pas reçu des nouvelles, ou vous n'avez pas plutôt vous l'envie d'apporter des nouvelles ou de reprendre contact avec cette personne. Il y a, j'ai l'impression pour beaucoup, le signe
que vous devriez reprendre contact avec cette personne, comme s'il était temps de régler un vieux conflit qui la concerne, enfin qui vous concerne du coup, mais qui peut vraiment concerner cette personne. Moi les amis, je pense quand même, ce que je vous disais au début, je ne sais pas qui est cette personne qui campe sur ses positions là, et un peu sur sa bêtise, voilà. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est la personne qui vous fait face. Avec l'idée de la figure comme ça, qui a pu représenter l'autorité à un moment donné pour vous. Donc à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un impact fort hein, dans votre vie, où il y a un lien qu'on ne peut pas défaire comme ça en un claquement de doigts. Il y a un lien ici pour moi qu'on n'arrive pas à de toute façon rompre, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour. Hein, moi, voilà. Les amis, pour moi, il y a une reprise du lien ici. Hein. Attention encore une fois, je vous le dis, on retourne pas dans les griffes du diable ici. Hein. On est bien d'accord, hein, on est bien d'accord là-dessus les amis. Hein. Protégez-vous, faites preuve de bon sens, de discernement avec ce tirage. Je ne vous invite pas à retourner dans les griffes du diable. On est d'accord, on est d'accord. Ici, tu as quand même la capacité de différencier si la personne a réellement été... toxique, d'accord, c'est quelqu'un vraiment de profondément méchant, de toxique, ou alors c'est plutôt quelqu'un qui a réagi d'une certaine façon par rapport à ses propres blessures, à sa propre sensibilité, émotivité, qui oui, a fait des erreurs, puisque là on est quand même face à un conflit, un désaccord, voilà, à quelqu'un qui peut-être s'est montré trop campé sur ses positions avec une très faible ouverture d'esprit, voilà, qui s'est montré peut-être même autoritaire, strict, voilà, il y a eu quelque chose, il y a peut-être eu un clash, il y a peut-être eu un désaccord, peut-être que c'est dans une relation de couple, hein, les amis, hein, peut-être parce que la personne s'est positionnée en chef, oui, avec un empereur, bon, on a quand même un peu cette énergie du chef qui gère tout. Homme ou femme, moi je ne sais pas qui vous faisait face, mais c'est celui qui gère tout, qui te contrôle, qui contrôle ta vie, qui... Pour autant, moi sur ce tirage, je ne suis pas sur le pervers narcissique, hein. Voilà. Mais, vous voyez, c'est très quand même délicat dans un tirage général. Parce que moi je ne sais pas qui écoute ce message, et je ne veux pas que vous retourniez dans les griffes voilà, d'un vrai pervers narcissique. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que vous fassiez preuve de bon sens. Il faut en fait que ce tirage soit une confirmation, c'est-à-dire que vous vous sentez de base appelé à y retourner. Vous avez des petits signes, et vous savez au plus profond de votre cœur que cette personne était une personne aimante à la base, où il y a eu vraiment de l'amour entre vous. Voilà. Donc ça, moi, je ne peux pas faire ce travail-là à votre place. Hein. Ça, c'est à vous de vraiment faire preuve de bon sens. Bon, les amis, voilà. On est un peu sur un lien comme ça avec une personne, effectivement, qui a pu se positionner en quelqu'un qui peut-être était trop intrusif, qui vous a privé de certaines libertés, hein, 8 d'épée quand même, hein, qui vous a privé de certaines libertés, qui avait peut-être un contrôle sur vous, la main mise, qui vous a peut-être un peu manipulé quand même. Pour autant, vous savez, on est humain et ça ne veut pas forcément dire qu'on était ici sur un truc vraiment de voilà, d'un vrai pervers narcissique. Ou d'une perverse narcissique, c'était pour moi de la maladresse. Il y avait vraiment beaucoup de maladresse et quelqu'un qui était à une évolution... je vous sens plus évoluée que cette personne. Voilà, on va dire les choses comme ça me vient. Je vous sens plus évoluée que cette personne au niveau ouverture d'esprit, spiritualité. Je vous sens plus ouvert en fait. Je vous sens plus ouvert et j'ai l'impression que vous avez fait face à un mur quelque part. À un mur et à quelqu'un de très, peut-être terre-à-terre, cartésien, très rigide, avec des croyances très limitantes. Un côté dur, mais peut-être parce que cette personne a lui-même eu ce côté autoritaire dans sa vie, a subi des traumatismes, j'en sais rien. Mais c'était quand même, on a quelqu'un quand même de... Tac, tac, tac. Ok, le caractère là, il est fort. Hein. Avec un côté très... j'ai raison. Voilà, j'ai raison. Point. Pas de discussion possible.
Tu sais, il y a pu y avoir ça, pas de discussion possible, quoi. Bon, voyez un petit peu, hein. Voilà un peu ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Très intéressant ici. Changer, relâcher, renverser les situations, sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure, pour moi, c'est vous qui l'avez. Voilà. J'ai plus l'impression que c'est vous qui avez envie vraiment de retourner, de reprendre contact, parce que l'autre, là, je le sens, paf, campé sur ses positions, puis un ego surdimensionné. Enfin, voilà. Après, je ne sais pas, hein, je suis pas à votre place, mais un ego quand même qui a tendance à prendre trop de place, trop de fierté, et qui a du mal à revenir. Pour autant, cette personne, elle pense à vous, hein. Elle pense à vous. Mais c'est pas pour ça qu'elle l'avouera. C'est pas pour ça qu'elle l'avouera, c'est pas pour ça qu'elle prendra la décision, elle, de revenir vers vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, en fait, qui reprenez contact. Mais attention, on est sur un tirage général. C'est-à-dire que là, on voit quelqu'un apporter une lettre. Peut-être que, c'est vous qui recevez des nouvelles. En tout cas, pour moi, vous recevez le signe, tu sais, l'heureux hasard, la coïncidence, le signe pour cette reprise de contact. Comme si on allait profiter de cette chose-là pour reprendre contact. Par exemple, tu vois, je peux te dire n'importe quoi, mais par exemple, tu es fâché avec tes parents et bah voilà, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Tu peux vraiment utiliser cette occasion finalement pour revenir vers ta famille. J'en sais rien, je te donne un exemple. Mais il peut y avoir ici quand même une occasion favorable qui te permette de reprendre contact. Qui te permette, oui, de reprendre contact. Ok. J'ai l'impression, les amis, qu'il y a un revirement de situation dans cette histoire. Voilà. C'est pour ça que moi, pour l'instant, je suis sur une reprise du lien. Voilà. Mais pas d'un lien avec le diable. Hein. Moi, j'ai plus deux personnes qui ont des opinions divergentes, deux personnes qui ne voient pas la vie de la même façon, deux personnes qui, au bout d'un moment, n'avaient plus trop rien à se dire parce que bah, dès qu'on se parlait, ça causait du conflit. Voilà, on n'était pas d'accord, quoi. Il y avait un malaise, il y avait une difficulté. Je sais pas. Bélier. Je recommence, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? La pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Waouh! Peut-être que voilà, on vous a volé votre innocence étant enfant. Peut-être que le comportement de certains adultes à votre égard a été vraiment violent. On peut parler de violence hein, pour un enfant. Ça a été violent. Ils ont peut-être tenu des propos, ont fait des choses qui n'étaient pas appropriées. Voilà, ça a peut-être, ça vous a fait grandir plus vite. Ça a brisé quelque chose en vous, quelque part votre innocence, votre pureté de cœur. Il y a probablement quand même de la discussion, des choses à dire, à dire. Parce qu'on voit la vérité, l'honnêteté ici, la sincérité, le besoin peut-être effectivement bah ouais, de dire les choses comme on les a ressenties. Après, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit d'y aller comme irait un enfant en fait. Hein. C'est-à-dire vraiment avec la pureté du cœur, y aller avec... Voilà cette spontanéité quelque part que pourrait avoir un enfant, tu vois ce que je veux dire? On a la créativité ici, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Peut-être que je parlais tout à l'heure d'une voix, d'un talent, quelque chose, on s'était peut-être fermé à ça. Ben oui, peut-être que finalement, on a eu
on a côtoyé une personne qui a peut-être saboté peut-être quelque chose, un talent que vous aviez, une passion que vous aviez, quelqu'un qui ne vous a pas forcément suivi. Qu'est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait preuve de figure d'autorité? Donc quelque part, on a dû obéir, tu vois, on a dû obéir et on s'est fermé à cette chose-là. On a vraiment mis une croix. On a paf, tac, on a fait une croix dessus. Parce qu'on ne nous a pas permis de l'être. C'est aussi l'idée qu'on a peut-être bloqué ta créativité. On a peut-être choisi, fait des choix pour toi, tu vois. Il peut y avoir cette énergie-là. Hein. Ouais. Et ça, c'est peut-être quelque chose que l'on reproche à l'autre. C'est quelque chose qui a été... voilà, on a du mal à digérer la chose, tu vois. On a du mal à digérer la chose. Cheminement, croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Et oui, il est temps d'avancer maintenant, il est temps d'aller voilà, de l'avant, de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur effectivement cette douleur, parce que j'ai l'impression que forcément ici il y a de la douleur. Pour moi, il y a un peu. J'ai l'impression qu'on te dit, alors, les amis, encore une fois, c'est un tirage général, mais j'ai l'impression qu'on te dit quelque part, détache-toi de cette douleur. Détache-toi de cette douleur, détache-toi de cet événement douloureux. Essaye de comprendre que tu ne peux pas rester dans ce schéma à ressasser cet événement douloureux, à ressasser ce conflit, à ressasser ce désaccord, à ressasser cette chose. Ou peut-être on t'a empêché de et que du coup tu as de la rancœur, tu as voilà que ça a toujours créé des petits pics, du conflit, de voilà, et puis l'un ne voulait pas entendre l'autre et puis vice versa. Tout ça vraiment ici avec la tempérance, hein, avec la tempérance, on te dit vraiment que là il est temps que la paix prenne le dessus sur le reste, que la paix prenne le dessus sur les rancœurs. Ce qui est fait, est fait. En continuant à te focaliser dessus, à ressasser, à continuer à nourrir finalement cette rancœur ou toute émotion négative que tu peux avoir, tu ne fais que amplifier les choses. Tu creuses le trou, tu vois ce que je veux dire? Tu creuses le fossé, tu amplifies les choses. C'est pas ce que tu veux. Il est temps aujourd'hui pour toi d'avancer. Il est temps aujourd'hui pour toi, eh bien, de prendre le taureau par les cornes quelque part et puis de travailler sur cette blessure et de pardonner. Voilà, oui, je vais dire le mot qui peut fâcher. Tu vois, on a le masculin derrière. Il y a quand même une figure masculine, une figure paternelle ici, des énergies masculines très yang, voilà, qui sont derrière, hein. Qui sont derrière. Hein. Ah, tu vois, c'est intéressant. Féminin, égalité, masculin. Être sur le même pied d'égalité avec quelqu'un. Tu peux avoir des soucis relationnels, toi, avec les autres. Alors, peut-être avec les hommes. Si tu es un homme, peut-être avec les femmes. Mais ça vient de l'enfance. Ça vient d'un parent ou d'un grand-parent. Hein. Pour moi, vraiment. Hein. C'est-à-dire que si tu as du mal à faire ta vie, si tu as du mal à rencontrer, si tu as du mal à te stabiliser dans tes relations, ou alors si tu as tendance à reproduire un petit peu le schéma de ce que tu as vu étant enfant, ça vient de l'enfance, ça vient de l'enfance. Et il est temps un petit peu d'aller sur le chemin du pardon. Voilà, le chemin du pardon, aller vers un peu plus de douceur, aller vraiment... ouais, être plus doux envers toi-même, envers les autres, faire preuve d'un peu plus de compréhension, et puis surtout lâcher prise en fait, hein. Réussir à se détacher de cet événement-là, et ne pas le ressasser en permanence.
tu vois. Et ne pas te poser, alors attention, hein, parce que moi je sais pas ce que vous avez vécu, hein. Mais souvent quand on se positionne en victime, finalement on a tendance à amplifier la douceur. La douceur. Oui, justement, il faudrait plutôt amplifier la douceur, mais on a plutôt tendance à amplifier la douleur quand on se positionne en victime. Et toutes ces choses sur lesquelles on se centre, on se concentre, ont tendance à s'amplifier. Ça, c'est vraiment le principe de la loi de l'attraction, les amis. Concentre-toi sur ce que tu veux dans ta vie et non pas sur ce que tu ne veux pas. Il est temps aujourd'hui de guérir de cette ancienne relation, de ce lien qui n'a pas été toujours facile, de pardonner, d'aller vers le pardon et vraiment réussir à passer à autre chose en coupant les liens qui, tu vois, te liaient de manière négative à ce passé, à cette douleur, à cet événement. Et vraiment inviter beaucoup plus d'interactions, de communication saine avec cette personne et ne pas repartir dans vos travers, ne pas repartir dans la douleur de ce lien et de continuer à le nourrir, cette douleur. En fait, c'est comme si tu, à travers ce lien, tu continuais à nourrir ta douleur. Parce que on n'arrive pas à passer au-delà, au-dessus. On est peut-être souvent dans le reproche. On a du mal à être. Tu vois, je sais pas comment dire, mais on a du mal à passer ça. Ça veut dire que tu nourris ce truc-là. Donc, il est temps, je pense, hein, vraiment de prendre un autre chemin. Je dis pas que c'est facile, c'est même un message un peu délicat à transmettre. Moi, je transmets comme je peux, les amis, hein, du mieux que je peux. Le pardon, c'est tout un travail. Ici, le pardon, pour moi, ne veut pas dire oublier. Voilà. Le pardon, c'est une volonté de passer à autre chose pour ne pas tout simplement nourrir toutes ces émotions à vibration basse qui ne t'aideront pas à avancer et à trouver le bonheur, l'épanouissement, la joie. Le pardon, tu le fais avant tout pour toi. C'est ça qui est important. Pardonner pour toi, pour que toi tu puisses avancer. Ici, on est quand même sur un lien pour moi qu'on ne, de toute façon, qu'on n'arrive pas à briser parce que y a un peu ce lien indéfectible, tu vois, comme un parent-enfant, comme ce genre de lien-là, tu vois ce que je veux dire? C'est un lien d'âme que peut-être tu n'expliques pas. Ça peut être avec quelqu'un que tu as rencontré, hein, c'est un lien d'âme que tu n'arrives pas à expliquer. Ici, on te dit bien de ne pas retomber dans cette relation qui était toxique. D'accord? Là, je te parle de la relation, de comment elle se déroulait. Il y avait de la toxicité dans le lien. Par contre, je n'ai pas de réelle toxicité de la personne. Mais c'est comment tu nourris, comment tu entretiens, comment tu cultives ce lien. Là, il y a un truc à revoir. Voilà. Il y a un truc à purifier, à nettoyer et vraiment repartir sur de bonnes bases. Il y a vraiment une notion d'égalité, de compromis ici, de respect mutuel qui doit s'installer. C'est important. Il y a un travail que tu peux faire, c'est écrire. Écrire une lettre à cette personne avec laquelle tu as ce lien-là. Tu écris une lettre. Cette lettre, c'est vraiment une lettre ouverte, hein. Tu vas dire tout ce que tu penses, comment tu ressens les choses, quels sont tes sentiments quand tu penses à cette personne, est-ce que tu te sens plutôt tendu, est-ce que tu te sens contrarié, est-ce que tu as de la colère, est-ce que tu as de la rancœur, est-ce que... Note tout ce qui te vient, tout vraiment, tu fais comme si tu écrivais cette lettre à cette personne. Et cette lettre, il n'est pas nécessaire de la donner à la personne, hein, surtout si tu vois ce que je veux dire, si vraiment, voilà, tu t'as déballé ton sac, t'as pas besoin de l'envoyer à la personne, hein, pour avoir les effets, finalement, de cet exercice, parce que, et bien souvent, d'ailleurs, quand tu écris une lettre ouverte comme ça à cette personne, il vaut mieux que tu fasses, après, tu sais, tu brûles, c'est un geste symbolique, en fait, de lâcher prise dans la toxicité du lien. Dans tout ce qui nourrissait le lien de façon négative. Voilà, j'ai tout balancé, j'ai tout mis dans la lettre, maintenant, symboliquement, je la brûle, c'est bon, terminé. Avec cette lettre qui brûle, je pardonne. Et maintenant, je reconstruis sur du positif. Je repars de zéro dans ce lien. Je ne te dis pas que ce sera aussi facile que ça, mais ça a un réel effet aussi au niveau énergétique de faire cet exercice-là. Tu peux aussi faire les bonshommes à allumettes, là,
à allumette, hein. Ouais, c'est ça. Pour couper les liens, nettoyer les choses, parce que peut-être que l'autre de son côté ne va pas avoir. Parce que moi j'ai quand même un décalage d'ouverture d'esprit, ne va pas forcément avoir l'envie ou l'idée de faire voilà, l'écriture. Bref, parce que cette personne aussi a peut-être des choses à dire, tu vois. Bon, faut que tu sois plus patient, j'ai l'impression, envers l'autre personne en fait. Mais ton cœur est tellement gorgé d'amour, de bienveillance, de voilà, que tu en es capable. Hein. Moi, je pense qu'il faut d'abord que tu fasses tout ce travail d'écriture, ce travail, voilà, de... Ok, je lâche. Écris peut-être plusieurs fois, une lettre ne va pas forcément suffire. Fais le truc des bons hommes à allumettes pour couper les liens. Ça, tu trouves le protocole sur Internet. Il va te falloir peut-être un petit temps, tu vois, un petit temps tranquille, de réflexion. Et tu vois, je pense qu'après un temps comme ça, tu vas vraiment sentir fortement cette envie de renouer contact avec cette personne, en tout cas de reprendre le fil de votre histoire, là où ça s'était arrêté. Tiens donc. On a la carte amitié qui ressort, l'énergie amitié qui ressort, mais regarde surtout l'image. T'as vu en plus avec la manche noire et la manche blanche. Mais oui, parce que il y a un truc qui vous oppose, vous. C'est étrange, hein, parce qu'on sent un lien d'âme, on sent un lien d'amour, mais pour autant, il y a les opposés. C'est un peu les opposés qui s'attirent, vous, hein, comme deux aimants, quelque part. Tu vois, il y a un côté vraiment où c'est irrésistible, vous êtes attirés, et en même temps, quand on retourne les deux aimants, paf, il y a une force qui les repousse, comme ça. C'est un lien qui n'est pas évident, hein, on va quand même le dire, c'est un lien qui n'est pas évident. Pour autant... C'est un peu un lien indéfectible quelque part. L'amour est plus fort. Alors ça peut être de l'amitié, hein, ça peut être un lien amical. Hein. Tout à fait. Après là, c'est à vous de voir. C'est sentimental, amical, familial. Là, moi, je peux pas vous le dire. Mais pour moi ici, ça annonce et ça confirme quand même les retrouvailles. Encore une fois, ça parlera pas à tous les béliers. Et notamment pas aux béliers qui ont eu affaire à un diable dans leur vie. On est bien d'accord là-dessus. Là, les amis, s'il vous plaît. Et ouais, la fidélité. Ah là 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 là. C'est quand même une personne qui est très très présente dans ton cœur, dans ton esprit, malgré que je pense qu'il y a eu réellement de voilà, quelque chose qui est pas cool du tout, qui s'est passé, qui a énormément blessé, avec beaucoup de périodes de désaccord. On se comprend plus. Pour autant, moi, quand je dis qu'il y a un lien défectible, je l'ai là. Il y a cette idée de fidélité, il y a cette idée que c'est plus fort que tout. On est attiré parce que ce lien nous manque quand on ne l'a pas quelque part. On a envie de passer à autre chose ici. Donc, il faut que ça vous parle dans le sens où vous avez envie de retourner vers cette personne. Voilà, de renouer contact ici, de reprendre le lien avec cette personne. Oh, on a l'été. Alors peut-être que vous allez reprendre cet été le lien, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a un événement particulier qui arrive cet été. Voilà, une occasion tout simplement. Tu sais, ça peut être un événement comme un anniversaire, un mariage, un baptême, je ne sais pas. Mais peut-être que vous allez vous retrouver à cet événement-là et qu'il va se passer, voilà, tout simplement une reprise de contact. Peut-être que c'est l'annonce de quelque chose parce que voilà, y a l'arrivée de quelque chose dans ta vie que tu as envie de partager avec cette personne et ça relance le contact, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Oh, stabilisation. Ça, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, écoute, cette fois-là, tu vas pouvoir réussir à trouver un point d'ancrage, tu vas pouvoir... Vous allez pouvoir repartir vraiment sur de bonnes bases et surtout trouver ce respect mutuel, cette stabilisation dans la relation, tu vois, cet équilibre dans la relation qui clairement n'était pas là avant puisqu'on a la maladie. Donc on avait bien un lien et vraiment, j'appuie là-dessus. Hein. Pour moi, c'était comment vous avez cultivé, nourri, entretenu ce lien qui était toxique et malade.
Voilà, qui n'était pas bon. Pas la personne en elle-même. Donc là, quand même, ça doit vous faire tilt, hein, d'accord? C'est pas la personne en elle-même qui est toxique et méchante. C'est les événements, les fragilités, les blessures de chacun qui ont fait que ça a amené une relation, un lien qui s'est pas développé bien. Voilà, qui s'est pas nourri correctement. Alors peut-être aussi que pour certains, parce que ça me vient, quand je vous dis qu'il y a un événement, je vous notifiais beaucoup d'événements joyeux comme une naissance, un mariage, un anniversaire. C'est peut-être un événement moins joyeux qui vous rapproche, hein, voilà, une épreuve de vie qui peut-être va vous rapprocher. Le travail. L'union. Ben voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire autre chose? Là, les amis, toutes les forces invisibles sont en œuvre pour vous. Hop! Vous. Comment on dit? Vous reconnecter à cette personne, vous rapprocher de cette personne. Bon, les amis, il y a une reprise du lien. Voilà. Mais encore une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah bah tiens, la femme a voulu sortir. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. Enfin, ne vous trompez pas. Ne retournez pas dans la gueule du loup parce que vous avez entendu ce tirage, les amis béliers, hein. Attention quand même, hein. Comprenez bien ici qu'on n'est pas avec quelqu'un de toxique, hein. D'accord? Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est que si c'était vraiment un diablotin, la relation ne reprendra pas, d'accord? Ici, on est vraiment sur quelque chose. Tu sais, ça peut être la reprise avec. Ah, je sais pas, les amis. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui retournez, qui retourniez, pardon, vers cette personne. Mais peut-être pas, hein. Comme on est sur un tirage général, en tout cas, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ici, on voit qu'il y a les efforts. On doit fournir des efforts, d'accord? C'est pas une relation qui reprend comme ça en deux-deux, hein. On doit fournir des efforts. Mais c'est marrant parce que pour moi, les deux personnes sont prêtes en réalité. Les deux personnes sont prêtes en réalité. Donc, si vous aviez des peurs, de l'appréhension, d'accord? Ici, vraiment, j'ai l'impression qu'on te dit détends-toi. Voilà, détends-toi. Moi, je pense que ici, c'est quelque chose où vous aviez toujours la personne dans la tête, et notamment, plus particulièrement en ce moment. Peut-être aussi parce que y a un événement dans votre vie qui fait que vous avez besoin de renouer avec cette personne-là pour X raisons, et que c'est une personne qui revient énormément à votre esprit. Écoutez, c'est que il y a peut-être une raison ici, tu vois, il y a peut-être une raison. Allez. De toute façon, ça parlera à qui ça doit parler. Oh, ouh là là, les amis béliers. Je sais pas, mais là, je vous ai fait un tirage. Qu'est-ce que je fais? Très long. Ok. Eh ouais, pardon. Je réfléchis. On a le pape. Le hiérophante. Donc, 5, c'est l'engagement. Il y a un engagement ici, hein. On se réengage, hein. Oh, les amis béliers, il faut que je me dépêche, hein. Je parle, je parle, je parle. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? L'ermite, le 9 de coupe. Waouh! C'était carrément un souhait, les amis, hein, de retrouver cette personne. Cette personne revient dans votre vie, d'accord? On renoue. Il y a eu un temps de pause qui était nécessaire, un temps de silence qui était voulu et nécessaire. Donc, c'est que ça devait se faire. En tout cas, il y a de belles retrouvailles ici. Alors, avec le pape, on nous parle effectivement de personnes qui peuvent avoir quand même une divergence dans leur façon de penser ou autre. Mais pour moi, il y a quand même une ouverture ici, hein. Notamment chez la personne qui était vraiment campée sur ses positions. Écoutez, puis on a le monde. C'est un grand oui, hein. C'est un grand oui. Voilà. Allez, on poursuit.
Manifestez la magie. Vous créez votre vie en fonction des intentions que vous envoyez à l'univers. C'est pour ça que ce lien, il ne faut pas que tu restes focalisé, d'où l'intérêt de faire la lettre, que tu restes focalisé sur le négatif, hein, d'accord? Que tu restes vraiment à ressasser ça, à remettre ça sur le tapis tout le temps. Non. À un moment donné, le conseil, c'est que, écoute, tout ce que tu as à reprocher à l'autre, peut-être que l'autre, parce que c'est au-dessus de ses forces, parce que ça le fait terriblement souffrir. Peut-être que voilà, il faut que tu écrives ça dans ta lettre et que l'autre, à un moment donné, tu laisses quoi. Tu lâches prise là-dessus. Tu lâches prise là-dessus. Très clairement. Et peut-être que le pardon se fera à un moment donné où tu t'y attendras le moins. Voilà. Donc mets une intention d'amour, mets une intention de pardon dans cette reprise de lien. D'accord? C'est ça qui marchera. Prendre un risque, dépasser votre zone de confort et plonger dans l'inconnu. Et je pense que pour vous, c'est pas évident d'aller faire le premier pas, de retourner vers cette personne, de reprendre contact. Tu peux le voir comme une prise de risque. Mais est-ce que c'est pas une prise de risque qui en vaut la peine? Parce que cette personne, vraiment, il y a un très fort lien. Un très fort lien. Ouh là là, il est temps que j'aille me reposer, moi. Un lien très fort entre vous. Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Oui, vous avez un cœur en or, vous, hein, vraiment un cœur en or. Ici, on te dit bien de justement faire une connexion avec cette personne de cœur à cœur, parce que cette personne aussi a bon cœur. Malgré son habit, sous son habit, de personnes autoritaires, de personnes qui campent sur ses positions, de personnes fermées, qui a peu d'ouverture d'esprit, ou je ne sais pas si c'est défaut, enfin, en tout cas les choses que tu lui reproches, hein, se cache quand même un cœur. Un cœur. Donc fais une connexion de cœur à cœur, plutôt qu'une connexion d'ego à ego, d'humain, voilà, avec sa fierté, ses blessures, patati patata, qui creusera en fait finalement le trou et la discorde, tu vois, entre vous. Je sais que c'est pas facile, mais après, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Allez, un petit conseil de la loi de l'attraction. Et ici, personne n'est forcé à quoi que ce soit. Hein. Ce sont des énergies. En fait, ce sont des énergies qui, ici, les béliers, vous disent que, en ce moment, c'est... Vous entrez dans des énergies favorables à une réconciliation, une reprise de contact. Voilà. La loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors, selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Les amis, je vous invite à inscrire, à écrire eh bien, cette règle de la loi de l'attraction. Et tu peux donc dire ça, bien évidemment. Et aussi, si tu penses que ta relation avec cette personne est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, cette relation sera difficile. Tu vois, ça peut marcher dans ce sens-là. En fait, tout, tu vois, tu peux tout remettre comme ça. Donc ici, on te dit, bah, dès maintenant, proclame que cette relation est facile, ne nécessite pas d'effort, que cette relation est extraordinaire, belle, remplie d'amour. Les amis. Allez, je vous fais un petit peu le relationnel, d'accord, pour ceux que ça intéresse. Au final, on a quand même eu un tirage pour vous, un message très relationnel. Waouh, regardez, c'est pour ça qu'on va quand même aller assez vite. La prière, la joie. Les demandes que tu fais, justement, fais bien attention à tes demandes. Fais bien attention à tes demandes et à ta façon de demander les choses. Parce qu'il y a de la joie ici, à venir. Fais des demandes dans la joie avec des mots positifs plutôt que de penser à des choses négatives, d'accord, par rapport notamment à cette relation. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. La stabilité. Il y a quelque chose ici qui reprend, le lien reprend et il y a des racines qui se font. Donc ça veut dire qu'on crée quelque chose avec cette personne, on se crée de nouveaux souvenirs, on se crée...
Je sais pas. On se crée vraiment quelque chose. Oh, le déplacement, j'adore. Peut-être que voilà, on se déplace, qu'on organise des choses avec cette personne, on va à des événements, on fait des sorties, on se crée de nouveaux souvenirs, hein, y a vraiment ça. Hein. Peut-être l'idée aussi qu'on va voir cette personne, parce que cette personne, peut-être qu'elle habite loin. Peut-être que voilà, il faut faire de la route pour aller la voir. Peut-être qu'on va même organiser un changement pour se rapprocher de cette personne. Et oui, peut-être que tu vas t'en rapprocher de cette personne. Waouh, réussir. Les amis, c'est quand même de très très bon augure hein, cette histoire. Hein. Et l'harmonie. Bon écoutez, je pense qu'on arrête là ici pour vous les béliers. Vraiment les amis, vous allez vers une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse. Un équilibre va se créer enfin dans cette relation parce que ce lien, on va le nourrir positivement cette fois-ci et pas négativement. Les amis, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné pour certains d'entre vous. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.